est parti pour un bon 50 minutes là, je pense. Ouais, à peu près, hein. 50, 45. C'est un peu cette amplitude, mais de manière alternative. Ouais, ça va. Si ça roule, bon, après, ça. L'heure de pointe, hein. Ouais. Après, c'est les vacances là. Ouais, c'est ça. Donc, les gens, s'ils sont partis. Tranquille là, en plus c'est le matin, ça va, ça doit bien rouler. J'espère. Ça s'est rafraîchi quand même là ces derniers temps. Ouais, franchement, bien froid, on va pas se mentir, il fait bien froid. On dirait on est en septembre. La semaine dernière, la semaine dernière, il était bien chaud quand même. Ah, il a fait bon. Il a fait bon. Et là, cette semaine. Je sais pas, la semaine prochaine, j'ai pas regardé, c'est pas bon, mais. T'as vu ce qu'il y a à Dubaï? Non. T'as pas vu? Le inondation dans toute la ville, c'est inondation. Il y a facile jusqu'à ici, ça d'eau, tu vois. Genre, t'as pas vu l'aéroport? Je t'enverrai la vidéo. Tout le tarmac, il y a au moins ça d'eau. C'est une chose. C'est pas ce qu'on. Mais c'est t'as pas vu? Il crée de la pluie. Bien sûr, ça dérègle après. Ça dérègle. Et là, tu crées de la pluie. Ils font ça avec quoi? Des drones, j'avais vu. Ouais, ils vont mettre du gaz en gros dans les nuages, je crois. De la vapeur ou quoi. Et après, comme ça fait la pluie. Bah ouais, mais bien sûr, ça dérègle au bout d'un moment. Parce que bon, eux, leur sol, il n'est pas habitué à absorber de l'eau. Il pleut, je crois, il pleut deux jours dans l'année. Là, autant d'eau d'un coup, bien sûr, ça. En fait, en plus, tu sais, ils font ça, mais ils ont même pas besoin, je crois, de faire ça. Je sais pas. Ils ont toujours été habitués à vivre sans eau. Quand on dit sans eau, il y a de l'eau, mais oui, je sais pas. Mais sans eau qui pleuve, quoi. Il n'y a pas besoin de. En parlant d'eau, je dégaine ma bouteille d'eau. Toujours, à boire, c'est important. Oui, non, il veut pas. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, à la fin. C'était sûr. Je le sentais. Le temps de réaction, il est. Ouais. Bonjour. 238. C'est pour ça. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre ça. On va appeler, on va voir ce qu'il raconte. Bizarre ça, sans voyageur. Ça se met pas automatiquement normalement. Ah normalement c'est automatique là, c'est automatique. Le 31, bonjour, ça va? Ça va. Là tu me vois ou pas? Parce que là, je suis en sans voyageur sur la girouette. Vas-y, un peu de toute façon, si ça marche pas, je me mets la mission tranquille. Franchement, aucune idée, je peux pas te dire là, parce que là j'ai décollé là. Il m'a dit 31 ou pas très, je t'attends dans l'arbre des vents ou pas? Non, c'est bon, je l'ai sur le radar, je suis parti à 54 là, ça y est, je l'ai collé. Il est malin. Il est fini. T'as vu, moi, il me demande deux fois, alors que je lui ai dit à la base. Ouais. Bon. Tu connais, hein. Si t'es carré, t'es pas carré, bah. Ah, c'est sûr. Lui, il te voit là? Oui, il me voit. Ah ouais. C'est sûr qu'il te voit. Il y en a, tu sais, des fois, j'ai appris ça, j'ai filmé il y a deux jours, je crois, c'était sur une ligne de chi en gros. Et tu sais, eux, ils ont pareil qu'un River Plaza, tu vois. Ouais. Ils ont la même truc. Sauf que t'es tout seul à tourner dessus. Genre, il n'y a qu'un mec qui tourne dessus. C'est quoi le TVM là? Non, c'est pas le TVM, c'est pareil que River Plaza, c'est un minibus et en gros, il fait des navettes, tu vois. Ouais. Et dans la ligne, t'es tout seul à tourner. Ça fait quoi? Le mec, en fait, dessus, il n'est pas localisé. Du coup, il fait quoi, lui? Il s'est fait attraper. C'est en mode, il se pose, tu sais, il fait des tours. Et quand il en a marre, il va se poser au terminus. Il dort un peu, tu vois, il saute 2-3 tours, il sort de faire une petite sieste. Et il repart, tu vois. Il est méchant, lui. Mais ouais, je crois, on m'a dit, il s'est fait attraper, quoi. Vous descendez ici, moi?
Vous allez où, madame? Vous allez où? Ici? Ah, madame, faut appuyer avant, parce que moi, je peux pas savoir. Non, je peux pas savoir, faut appuyer avant. Ouais. De rien. Les gens, ils sont fatigués, ils sont au téléphone, ils appuient à la fin, après, tu vois. T'arrives à l'arrêt, t'entends le bip. Mais moi, j'ai capté qu'elle a fait une connerie, tu vois. J'allais continuer, mais je me suis dit, non, vas-y, ça se fait up. Ça se fait up à votre travail. Ou ouais, je sais pas. Elle va être aigrie après. Elle va arriver au top, elle va être aigrie. Tu vois. Mais j'aime pas, tu vois, j'aime pas ce type de personne. Des fois, tu sais pourquoi? Parce que t'as vu, si tu captes pas, ils rejettent la faute sur toi. Ils rejettent la faute sur toi. Comme si c'est toi, alors en fait. Alors que c'est eux qui est en tort, elle est en tort. Mais vas-y, elle va te rejeter la faute dessus. Ouf. Tu vois, la limite, elle a voulu me jeter la faute sur moi. Ouais, mais j'ai vu là, j'ai vu. Tu vois. C'est toi, je vais reposer la question. Bon, tu connais, ça c'est le typique du machiniste. Toujours, il n'y a que ça. Vas-y, tu prends la piqûre. Bah, si tu t'énerves sur des petits trucs, tu deviens fou à la fin. Tu vas faire un AVC. Allez, laisse tomber. C'est pour ça les anciens, ils sont aigris des fois. Tout ce qu'ils ont mis depuis 20 piges. Alors après, il faut se ménager quand même. Les anciens, ils font pas de sport. Ils font que travailler. Tu sais, pas. Tu sais, moi je les vois parce que moi je sais comment, tu sais, tu captes les trucs, comment il est des fois. Il parle que de taf, de service. C'est-à-dire, lui, c'est sûr qu'il rentre chez lui. Ouais, il pense à taf. Il parle de service. T'imagines, tu dis à ta femme, ouais, j'étais le 20e, il m'a mis hors. Ouais, ta femme, elle s'en fout. Il m'a appelé, il m'a limité. Il m'a rendu fou. Je sais, on est à taf. Non, tu me parles de taf. Tu vois. Mais il y en a beaucoup, ils sont divorcés. Il y a beaucoup de machines divorcées. Ouais, c'est vraiment en plus. Ça à cause de ça. Du coup, moi, je suis dans ce taf, je suis anesthésié. Je te mens pas. Des fois, les gens, ils me font des manières, tout ça. Ni tellement je suis anesthésié, je réponds même pas. T'as vu, je m'en fous. Ouais. Après, il y a des trucs où t'es obligé de répondre. Ouais, c'est sûr. T'es obligé de répondre. C'est ça les deux seuls relais. Et ça, c'est la typologie de cette ligne, c'est qu'on ne va pas à Gabriel Péri. Okay, ouais. Tu vois? Ouais. Et la typologie, c'est qu'aussi on a des navettes genre Courtille-Louvresse. Ouais, pour les travailleurs, tu vois. Ouais, il y a quelques travailleurs là-bas. Ouais, les travailleurs, tu vois. Ouais, c'est aussi... bien, hey, c'est bien ce qu'ils ont fait parce que ça dépanne en fait. Entre deux, c'est un entre-deux, tu vois. Ouais. Parce que c'est. Parce que t'as une grande ligne. Ouais. Une petite ligne, tu vois, dans le sens où elle fait les itinéraires où elle dessert où les gens ils travaillent, c'est ça qui est bien. Ah, parce que, ouais, ça fait c'est qu'il y a un heure de pointe là-bas. Quand même en milieu de journée, tu peux en avoir. Tu peux en avoir quand même. Tu peux en avoir. Il y en a des, quand même, il y en a des bus. Il y en a des bus. Mais après, par rapport au trajet long, c'est pas qu'il y a moins de service, c'est que l'itinéraire tellement il est long, bah les gens ils vont attendre quand même. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Là tu connais, on fait un peu Agnières ici là. Là on a la gare d'Agnières. Ça va, ça roule. Bon, ça roule, ça va. C'est bon là, j'apparais sur l'ICS. Ouais, c'est bon alors. Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a que écrit 238. Mais ouais, de toute façon les gens ils captent, ouais. Il y a un regard en haut. Tu vois. Ça va les fréquences en même. Tu vois, 9 minutes, bonjour. 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 Ouais, en termes de fréquence, ça va, tu vois. Ouais, ça fait, ouais, en heure de pointe, ouais, c'est ça, 10 minutes. Ouais, après, en heure de pointe, c'est compliqué, tu sais pourquoi? Parce que ça bouge souvent vers Pont d'Épinay. Ouais. Pont d'Épinay, et là aussi, ça bouge. Tu vois, au pont d'Agnières, ouais, ça bouge.
C'est-à-dire, c'est ça qui crée de l'écart. Ouais. De l'écart, ouais. Et Courty aussi, parce qu'il y a des travaux. Ah ouais. Tu vois, c'est les points névralgiques, on va dire. C'est-à-dire, ouais, quand il vous limite, quand vous êtes en dernière, c'est que les Courty sont. Ouais. Quand ils nous limitent, c'est Courty ou centre de vie, genre. Courty ou centre de vie, tu vois. Ouais, je vois. Après, ça dépend dans quel. Après, ça dépend, mais dans quel sens. En règle générale, c'est ce qu'il fait, tu vois. Ça va, les régules, c'est des pulls, c'est pas des. Ça va. Après, ça dépend t'as qui à l'appareil. Ouais, c'est ça. Toujours ça. Après, c'est comme le bus, c'est l'humain, tu vois. Ouais. Après tu vois c'est parce que eux ils sont rivés sur les écrans, ils ont plein de lignes, c'est dire moins tu l'appelles mieux c'est, t'as vu. Ouais c'est ça. Tu vois, c'est ça. Il doit gérer plein d'appels en même temps. C'est ça, en plus il est obligé de te répondre. Ouais c'est ça. Des fois il met du temps mais tu vois il te répond quand même. T'as vu c'est ça. Le matin, t'as vu, quand je démarre comme ça, je démarre toujours tranquille. Ouais, ça a rien de speedy. Tu vois. Tu vois, faut apprécier le matin quand même. Ça va le matin, les c'est gens. C'est calme, vas-y. Les gens, ils parlent pas le matin, ils sont fatigués aussi, du coup, ils parlent. Ah, tu vois. Ils sont là, ils montent. Ils prennent la télé. Tranquille. C'est plus le soir où, vas-y, les nerfs, ils sont tendus. L'après. Ouais. Quand il fait chaud. Si, il fait chaud. Ils rentrent du taf, il y a du monde. Là, ils aiment pas, là. Ça m'a prêté le fait qu'il y a de l'affluence sur les routes, dans le bus, tout ça, ça crée un stress, hein, des tensions. Tu vois. Genre. 165, ça veut dire aussi. Non, je crois que c'est Charlebourg. Charlebourg. C'est Charlebourg, ouais. Ouais, ça fait vous avez pas beaucoup de lignes. À Nier, on a quoi? On a 235, 238, 140, 140, 175, River Plaza, les navettes du port. Oh, il n'y a pas 340, tu l'as compte aussi? Ouais, 340, ouais. Ouais, ça fait 6. 6, tu vois. Après, il y a des noctiliens. C'est quoi ça, navette du port? Navette du bus du port, c'est des bus pour les travailleurs, tu vois. Ouais, c'est des petites navettes. C'est quoi, c'est les ports de Gennevilliers? Port de Gennevilliers, mais après tu sais, ils roulent pas en bus, ils roulent. Quand je dis bus du port, c'est les en crafter. Ouais, les petits trucs. Ouais, ils roulent avec ça. T'as déjà fait toi ça? Ah, non, j'ai jamais fait. Mais ah, j'ai oublié, il y a le Tuc Est, Tuc Ouest et Tuc Est, je crois. Ah, le Tuc, ouais, c'est ouais. Ça fait cliché, genre, tu vois. Ouais. Le plus c'est appelé, il y a plus de lignes. Ouais, c'est vrai. Tu connais entre guillemets la maison mère. Ça, ouais, on va dire Anir c'est un auxiliaire. Ouais, mais tu sais, à la base, Anir c'était tout seul. Hein. Ouais, c'est après, ils ont fusionné. Ça fait quoi, 2-3 ans peut-être. Franchement, aucune idée, je pourrais pas te dire. Ouais. Ça fait quand même un peu de temps. Parce que les anciens ils me disent, ouais. Qu'on a fusionné, c'est-à-dire ça fait un certain moment ça quand fait, même. Ouais. C'est pas vieux, mais c'est pas récent aussi, tu vois. C'est, ouais, entre, c'est entre deux, je pense. Après, souvent les anciens ils se mettent sur quel ou Anier. Ouais. 340, 175. C'est quoi, c'est la planque ça? C'est la planque pour eux ça. Ça c'est la plan. Après 238 c'est pas. C'est ce qu'ils aiment. 238 ouais. T'es solo. Hein. Tu vois personne, mais c'est bien des fois. Mais ouais, ils préfèrent pas aller à payer. Mais ils ont leur habitude, ils sont ancrés, ça y est. C'est ça, ouais. Ouais, tu vas les mettre sur le 177 ou un truc comme ça. Ah, jamais. Ils vont câbler. Ouais, jamais. Genre.
ne vont jamais faire ça. Après, tu sais, ils aiment bien quoi après le 274? Les anciens, ils aiment bien cette fille. Elle roule qu'en semaine, elle, je crois. Non, ça roule. Ah non, le... ouais, je confonds avec le 267. Ouais, ouais. 274, ouais. Il la kiffe. Hein. Mais ils l'ont modifié, ouais, son terminus. Ça... Ouais, c'est Annie Flore. Ouais. Bord de Pierre Annie Flore. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça change beaucoup. Mais... ouais, y'a rien. Ouais. C'est quoi? C'est pas un truc de fou. Ouais. Mais ça change d'emplacement ou c'est. Ouais, ça change d'emplacement, mais ça. C'est quoi? Terminus, c'est juste qu'il est à droite. Tu vois le PC où c'était là? Ouais. Parce qu'il n'y a plus le PC maintenant. Ouais, maintenant il n'y a plus le PC. Il n'y a plus le PC. Bah, à la place maintenant, ils ont mis le terminus là. Et du coup, c'est quoi? C'est même pas 200 mètres. Ouais, ça change. Mais après, de l'autre côté, c'est bien pour le retournement et pour prendre les clients, tu vois. Ouais. C'est bien. C'est bien quand ils l'ont bien fait. Genre. Pour une fois, c'est bien. Non, non, franchement, ils l'ont bien fait. Ouais, chapeau ouvert, ouais, le Brinks. Il est au courant? Il sait pas. Ah, je crois qu'il sait pas. Mais il sait pas. Hein. C'est quand tu roules vite, des fois ça. Ouais, c'est stylé. Mais tiens, ouais, la refroidie du water, mais c'est pas la canicule non plus. Tu connais les mecs qui. Il roule, c'est ouais, tout. C'est... 178, tu l'as déjà fait une fois cette ligne? Non. Jamais. Ça m'intéresse pas. Ouais, tu m'avais dit les lignes de la défense, c'est pas. Ouais, ça m'intéresse pas et il n'y a pas de temps et les mecs ils roulent comme des fous dessus. Ouais, c'est ça, ils partent. Moi, ça m'intéresse pas de rouler, faire un accident à la fin. Moi ça m'intéresse pas de rouler comme un fou, d'être stressé, de... Ouais non franchement là t'es bien, tu sais tu roules tranquille. Tu vois, tranquille, tu fais ta giration tranquille, tu ouais, vois tout. Pas de galère. Pas de galère. En plus ça va, tu passes dans des beaux endroits. Tu vois, faut apprécier, ça s'apprécie la conduite. Ah oui, c'est sûr. Si tu roules, tu vois plus rien. Ah, on va sur un circuit. Hey, ils appuient, hey, ils veulent leur temps, faut être ils veulent leur temps, du coup ils partent. En fait, c'est psychologique. Mais des fois, tu vas rouler tellement vite, tu vas croire que t'as roulé vite, mais en fait, t'as perdu du temps. Ouais, c'est ça. T'as capté? Ouais. Et des fois, t'es détendu, tu roules, tout ça. Et t'as tes 10-15 minutes tranquille à l'aise. Tu vois? Donc pourquoi tartiner? Ça sert à rien. Tu vois, en termes de cadence, on est bien, regarde. 18 minutes devant moi, derrière moi, 12 minutes. Ah bon? C'est bon, c'est bien. C'est pas de problème. Tu vas remarquer, c'est ceux qui roulent toujours vite, tout ça, c'est eux qui ont plus d'accidentologie. Ouais. Tu vois. Mais ouais, ça. En règle générale, après, ça peut arriver à tout le monde, t'as vu, je dis ouais, pas. Ouais, ouais, oui. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et tu vois, en termes d'accidentologie, c'est ceux qui roulent vite, c'est ceux qui. Et parce que quand tu roules vite, champ visuel, tu l'as plus. T'as plus le bon champ visuel. Et t'accroches vite, tu vois rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ton temps de réaction il est plus limité. Là, tu sais, t'es stressé, tu regardes les rues, tu vois. Tu vois. Faire vite. Ça a rien. Non, on prend à gauche là? Non, ouais, à gauche, on va aux Agnettes là. Tu vois, l'arrêt il est là-bas, les arrêts. Et ouais, la relève, ils l'ont pas mis ici, c'est plus proche du dépôt. En fait. Après, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais c'est courti, tu vois. Peut-être que c'est entre les deux, je sais pas comment ils ont conçu le truc. Ouais, c'est vrai. La ligne, elle est. Non, elle a toujours été à lire, là, on va payer là. Non, elle a toujours été à lire. Mais là, ils vont récupérer le 138.
Ouais, c'est vrai. Pléiel ou Amir? Pléiel. Pléiel, ouais, c'est ça. Mais il était déjà à Pléiel, tu sais, il est parti à Saint-Denis. Ouais. De base, il était à Saint-Denis, après il est allé à Pléiel. Après, il est parti à Saint-Denis, là, il revient à. C'est ça. Après, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'aimerais bien savoir. Il faudrait que je pose la question. Après, centre-ville, ouais, j'avais bien aimé la ligne. Ça va, l'itinéraire, tout ça, ça va. Ça se passe, ça va. Jusqu'à Hermon là-bas. Ouais. Genre. Ah non, c'est en lien, ça. Genre. Oh, on vient. Alors. Mais là, 238, c'est comme si tu faisais du 138. Mais sauf que tu vas à Saint-Grâce, ouais, à un RER. C'est tout, tu vois. Je sais pas si il y a bon jumelé. Je sais pas, franchement. Je sais pas, c'est comme 140 et 340. Elles sont pas jumelées. Non, elles sont pas jumelées, mais ça. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que 340, tu passes au port de Gennevilliers, etc. Tu vois. Ouais. Et 140, tu passes par l'avenue d'Argenteuil, Bourguignon. Tu vas à Saint-Ouen aussi, tu vois. Ouais. Après 140, moi j'aime bien, ça va. Ah, franchement, quand on avait filmé, c'était pas mal. C'était pas mal. Je ressens que c'est les vacances. Ouais, il y a personne. Voilà. Mais c'est bien, c'est. Regarde, c'est lisse. Ouais, c'est ça. Ça roule. Ça roule, ça glisse, tu vois. Il n'y a pas de tu freines, t'accélères, tu freines. T'entends le FAE, tout les 10 secondes. Tu vois. T'as pas besoin de rouler vite ou je sais pas. Mais tu sais, mon temps, je le gagne où, moi, en règle générale. Ouais. Je le gagne au port de Gennevilliers. C'est là que je le gagne, tout ce jour-là. On passe au port de Gennevilliers. Ouais, là, on va passer par le port de Gennevilliers. C'est là-bas que je roule. Parce que là-bas, c'est vite, tu verras. C'est vite. Il n'y a pas de camion ou quoi. Si, il y a des camions, mais tu vois, c'est large, ça. C'est large, le port de Gennevilliers. Là-bas, là-bas tu roules, parce que... Ouais. Comme je t'ai dit, c'est vaste, tu gagnes ton temps là-bas. Ouais, c'est là, c'est comme ça que tu peux gagner ton temps, c'est là-bas. C'est là-bas que tu dois faire tes preuves. Voilà, tu montres. C'est là-bas que tu accélères, c'est là, tu vois, la personne. Pas pareil, c'était des travailleurs qui m'ont. C'était des travailleurs. Il n'y a pas de feu, tu vois. En général, c'est des ronds-points. C'est-à-dire, c'est là-bas là, que tout se joue. Voilà, Courty. Beau paysage vu sur le Lut. Ouais, c'est quoi, c'est Gennevilliers là? Ouais, on a Gennevilliers là. C'est des travailleurs. Genre. Ouais, je vais garder Pinet. Bonjour. Ça va, la clientèle, elle dit bonjour quand même. C'est quand je suis, c'est rare maintenant. Ça devient de plus en plus rare. Mais tu connais, c'est la politesse, hein. Après, tu sais, on m'en dit pas la politesse. Ouais. Tu dis bonjour. Tu dis pas bonjour, c'est ton problème. Hein. C'est vrai. Mais après, faut pas demander des choses. Oui, bah. Tu vois, après, de temps en temps, tu vois, c'est bien de faire un petit rappel de la population. Tu vois. Pour ne pas être en infraction, assurez-vous d'avoir. C'est bien, ça fait partie du taf. Ouais, souvent les contrôleurs ici. Il y a les contrôleurs. Ils ont des lignes favorites. Non. Tu sais, ils viennent, ils font leur journée. Je sais pas comment ça se passe, mais ils vont partout. Ouais. Parce que tu sais, sur certains dépôts, ils viennent que sur certaines lignes. Tu vois, par exemple, je prends le dépôt d'Aubervilliers, ouais. Ils vont venir que sur les lignes de Paname. Ouais. Ils vont pas faire les. Par exemple, la ligne de la
170, tu vois, jamais ils vont y aller. Pourquoi ils y vont? Ils sont accompagnés de flics, mais équipés, tu vois. Parce que c'est des lignes à risque. Voilà, c'est ça. Tu vois, ligne à risque égale à... On veut pas de problème, donc on... Bah, ils ont raison aussi d'un côté, tu vois. Tu vas pas, pas aller faire des histoires et toi avec les gens, c'est ça. Parce que tu connais là-bas, côté 9-3, là-bas, là, les gens, ils sont un peu... Ouais. À sa bouche, parce que tu as le feu orange clignotant, ouais. Sortie d'autoroute, je connais, hein. Qu'il y a les camions de livraison, port de Gennevilliers, l'affluence du matin. Ouais, tu pars quoi, 10 minutes? Non, ça va là. Là, ça va. Il y a pire. Là, quand c'est pas les vacances et tout. Tu t'en de fou. T'es même plus sur radar. Ouais, donc ici c'est le port. Ouais, là on est au port de Gennevilliers. On va rentrer dans le port là maintenant. Là, c'est une petite zone où tu connais, il y a beaucoup de sociétés. T'as vu son expression faciale? J'ai même pas regardé. T'as pas capté? Dès les mots, regarde. Il est monté, il a pas dit bonjour. Ouais. Et là, dès que, tu vois, pour son avantage à lui, il devait passer. Il a fait un faux sourire, il a fait ça. Tu vois, capté direct. Tu vois, ça, c'est des gens qui parlent avec toi avec intérêt. Tu les captes comme ça. Ça, à force de rouler, de toute façon, tu captes le profil des gens. Ouais, bah oui, à force. Au revoir. C'est quoi, c'est la 86 ici? Non, là c'est le port là. Non, mais le... En bordure? L'autoroute. Ouais, A86. A86, A15 aussi. A15 aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, tu vois, à Saint-Gratien, ça, au niveau d'Épinay, les gens ils prennent le bus juste pour la gare d'Épinay. Ouais. C'est-à-dire, ils descendent, t'as vu? Ils restent pas dans le bus. Ouais, ici, tu peux faire plusieurs voitures. Tu peux. Mais c'est assez bien, ça fait chauffer le moteur. Ouais, t'écraser un peu. Voilà, tu vois. Il voulait ça. Il est en ville, le pot, il voulait se libérer. Il voulait ça, le gamin. Regarde les gilets là-bas. Tout ça, c'est des mecs en formation. Ouais, l'Astral. Ouais. Toi, t'as passé ton temps avec quoi, l'air? Ouais, avec le nef, tout ça. Ouais, ça veut dire, ouais, t'as goûté aussi qu'Élise du nef. Ah, il est dur, il est corsé le frein. Ah, ouais, méchant. Ah, j'ai goûté. Ah, je te mens pas, j'avais un formateur, c'était un gueudin. Mais quand je te dis gueudin, dans le sens où. Tu sais, il faut des formateurs comme ça. Ouais. Tu sais, il avait sa personnalité, son truc, t'as vu? Et c'est lui, bah, franchement, il m'a bien attrapé aujourd'hui. C'était quoi? C'était un... Les mecs de là-bas, c'est un ancien de Croix-de-Nivert. Ouais.
Et lui, tu sais, il faisait quoi? Il officie des formations au Qatar ou en Inde, tout ça, il est parti. Il a fait des formations articulées à des mecs en Inde. Il m'expliquait un peu son parcours. Ouais. Tu vois? Et vas-y, t'as vu. Franchement, chapeau à lui, hein. Opérationnel ce mec. Il faut des mecs comme ça, c'est un peu des mecs trop laxistes et tout. C'est ça. Il faut être dur. Surtout dans l'apprentissage. Tu sais, parce que lui, il n'est pas en groupe. Ouais. Il a ramené un collègue à moi, t'as vu? Il était avec nous. Sur le rond-point de l'étoile là. Ouais. Il a dit, bah tu sais quoi? Là tu vas faire le rond-point de l'étoile, tu vas pas t'arrêter, tu vas faire le tour 3-4 fois là, comme ça, tu t'arrêtes pas. Non, moi c'est fort. Tu vois, il rigolait en même temps. Tout ça, il dit, bah t'as vu, regarde, t'es obligé, là, roule. Ah bah ouais, tu peux pas t'arrêter là-bas, t'es obligé d'avancer et tout. C'est ça, il disait roule. En fait, il voulait quoi? Il voulait que la peur elle parte de lui, tu vois. Ouais. Tout ça, il disait faire ça. Parce que c'est vrai que des fois, au début, tu conduis, t'as l'impression que les gens, ils vont jamais s'arrêter. Les gens, ils conduisent chelou, tout ça. Mais en fait, c'est à toi de t'imposer dans la conduite. Ah bah ouais, regarde le gabarit que t'as. Tu vois? Mais quand on dit imposer, c'est de manière... ça fait courtoisie, tu vois? Ouais. Avec courtoisie, mais la courtoisie passée. Ouais. Ouais, ça veut dire, ouais, l'Astral, il est fort que la conduite sur Paname. Je dis, ouais, l'Astral, ça veut dire, il est fort que la conduite sur Paname. Ouais, Aubervilliers, Paname, les points de fou. C'est ça. Mais ils t'en vont en campagne ou... Non. Non. En ville, non. Charbon direct. Ville, puisque à l'auto-école, tu fais déjà de la campagne déjà, ouais. Tu vois ou pas? Et nous, notre conduite, elle est adaptée pour la ville, elle n'est pas adaptée pour la campagne, tu vois. À l'auto-école, tu fais du char avec la ceinture. Ouais. C'est-à-dire. C'est de la conduite globale générale, tu vois. Et le neuf, ça dure combien de temps, on va dire? C'est quoi? C'est la FIMO, c'est 3 semaines. C'est 3-4 semaines, un truc comme ça. Tu vois? Là, il y a des bus, Globus ici. Ouais, ça s'est vidé, tu vois, le parking était rempli. Ah, ouais, je pense que c'est tout ça. Ouais. J'ai eu un parcours où c'était significatif, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de trucs, c'est drôle, tu vois, je me rappelle des fois, je rigole, tu vois. Il y a des anecdotes. Il y a des anecdotes. Des fois, je pensais que j'allais jamais réussir. Ah ouais. Des fois, on dirait, peut-être t'as des jours comme ça, t'as capté, t'es dans le flou, on dirait. Ouais. Tu connais les fiches. Moi, tu connais, moi, je suis pas trop scolaire. C'est-à-dire que tu dois apprendre ça, fallait se donner les moyens un peu. Ouais. Tu vois. Après, comment t'es arrivé là-dedans? C'est on t'a bouche à oreille ou t'as vu une annonce? Je te dis la vérité, je faisais beaucoup de taf. Je faisais collecte, la poste, etc. Tu vois, le délire, livreur et tout. Voilà, livreur, tout ça. C'est dur au fur et à mesure. Moi, j'ai postulé et ils m'ont appelé. Dès qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit il y a une opportunité, etc. J'ai passé les batteries de test et tout. Et ça s'est bien passé. J'ai été recruté. Voilà, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas en fait, t'as vu? Je fais de la livraison, tout ça. Autant conduire un bus, et... c'est pareil, c'est des points de passage. C'est des... Parce qu'il y a un petit radar là-bas. Ouais. Un bon petit radar. Une flèche de l'avant ou de l'arrière. Allez, toi, ah ouais. Oh, regarde, il est là-bas. Ouais, ouais, mais ben, j'étais passé ici quand j'avais filmé la 2600. Ouais, ah ouais. J'étais passé ici. Ah, il est pas là, ce moment. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps, celui-là.
Pourquoi ils disent que c'est un radar mobile, mais... Je sais pas, depuis qu'il est là, il est là. T'as pas bougé, hein? Pas bougé. Mais des fois aussi, les keufs, ils se mettent là. Ah oui? La menu, ils se mettent là, jumelles, ils regardent. Je veux dire, tu connais, moi, t'as vu sur certains itinéraires, comme le 175 et ça, des fois, je me mets en V2, je me bloque à 50. Ouais, bah ouais. Tu vois, ni plus ni moins. Ah, parce que, ouais, si tu te fais flasher, c'est toi, après, tu reçois... C'est ta pomme, hein. Ouais, c'est toi. Donc là, tu connais, on a besoin du permis. Ouais, c'est sûr. T'as pas de permis, t'as plus de taf. Ouais, c'est... Bon, en plus, j'ai appris ça il y a pas longtemps, en fait, s'il faut tirer des poids sur le bus, c'est aussi pour sur ton permis voiture. Oui, c'est pour, c'est général. Ouais, c'est général. C'est moi, je pensais, tu sais, t'avais 12 points pour le bus, 12 points pour la voiture. J'ai appris ça il y a pas longtemps, je me suis dit... permis unique. Je me suis dit, oui. Universel. Tu sais que t'as vu un avoir, hein, mais t'es en vélo. Si tu commets une infraction et t'as le permis, ouais, faut pas leur dire. Ils peuvent te retirer des points. Ouais, j'ai appris ça là, il y a 2 semaines. J'ai même pas. C'est un truc de fou. Ah ouais. En soi, après, c'est un peu bête parce que moi qui n'ai pas le permis, si je fais un truc, ils vont pas me retirer de points. Et si toi, par exemple, tu fais la même chose que moi avec moi, ils vont te retirer des points. Ouais, c'est vrai que c'est inégal. Paradoxal. C'est. T'as le permis, bah on te retire des points, t'en as pas. Bon, bah vas-y, tu t'arrêtes une amende. Et c'est comme le permis à carte là. Au début, tu sais, ils voulaient faire quoi? Ils l'ont fait à carte. Là, ils ont créé de nouveau à carte. Parce que de base, ils voulaient avoir un lecteur, etc. De... Ah ouais. Ouais, mais ils n'ont jamais sorti le lecteur. Ouais. Tu vois? En soi, le permis à carte, c'est bien aussi. Ouais. À l'arrière, quoi, quand tous les trucs sont batteries. C'est un permis. Faut pas trop se prendre la tête. Ouais, ça prend moins de place, quoi. C'est juste pareil pour la. Je sais pas si t'as la nouvelle pièce d'identité. Non, j'ai pas la nouvelle, j'ai l'ancienne. Franchement, pas de mentir, c'est utile parce qu'elle prend moins de place. Mais tu sais, maintenant ils vont me mettre en numérique, quoi. Ouais, sur en téléphone. Numérique, ouais. Même le permis, ouais, tout en numérique. Après, ça peut être bien comme ça peut être mal le numérique. Ouais, parce que ton téléphone. Comme ça. Ton téléphone, t'as plus de batterie, tout comme ça. L'usurpation d'identité, elle est facile. Ouais, ça part vite. Tu sais, miskin, il y a des gens, tu sais quoi, ça a retrouvé leurs papiers. Tu connais les papiers, quittances de loyer, tout ça. Ouais. Mais chez des gens, ils vivent sur l'identité de personne. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Là, j'ai vu des documentaires sur ça. Elle est mec qui. C'est un truc de fou. Pareil. Une fois j'ai vu, c'était quoi? C'était un mec, il a usurpé l'identité d'une personne, et la personne, elle arrive en Turquie, et les douaniers, tu vois, ils l'ont arrêté. Et lui, il se dit, wesh, pourquoi? En fait, la personne qui l'a usurpé, tu sais, il a fait des dingueries en Turquie. Du coup, il était recherché. Et après, les douaniers, ils arrivent, ils voient son place, ils vont attraper, tu vois. Va prouver après que c'est pas toi, nanana. Va prouver. Va leur prouver. En plus, t'as vu, eux, tu sais, quand ils te pètent, eux. Elle est sûre. Ils sont sans pitié en mode, c'est toi. Ah ouais, c'est toi, mon gars. Et là, t'as voulu nous la mettre à l'envers, viens là, alors que toi t'as rien fait, tu vois. Petit coup de vis, ça a pas marché. Il était trop déter. Ah, il voulait passer. Quoi qu'il en coûte, il fallait. Quoi qu'il en coûte. Tu vois, là c'est épiné, là on arrive en rejetement, on garde épiné en rejetement. Ouais. Ça doit plus bull sur ces lignes. Ouais. Lui c'est un collègue de play, lui. Ah, il ouais? Passe au tram. On m'avait dit en plus. Non, on est au tram, tu l'as plus. Ils m'ont dit c'est plus fatigant. Ah ouais? Ouais, parce que tu dois respecter vraiment les limitations, etc. Tu vois. Aussi libre qu'il y a plus en fait. Ouais.
connais, hein. Si ça en bien en plus, on peut en prendre. Pas ça, hein. Là, t'as vu, ils ont ouvert quoi pour, enfin, pour l'été, là. Ils avaient proposé 30 jobs étudiants, tu sais, pour producteurs de tramway. Ah ouais? Ouais, il fallait juste avoir 18 ans, le bac et le permis. Ça te dit pas, toi? Bah, moi, j'ai 18 ans en août. Ouais. Donc, c'était KO, parce que lui, il allait chercher à partir de juillet, tu vois. Essayer de voir, hein, faut... Ah, faut tenter quand même. Ouais, en vrai de vrai, ouais. Faut tenter. Parce que le tram, t'as pas besoin du permis, je crois. C'est pour ça. C'est une habilitation, le tram. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est pas compliqué. Ça va, quoi. Tu es pas sur la route, on va dire. Ouais. Mais t'as vu, faut connaître par cœur ça, là. Ouais, la signalétique. Ouais. Après, s'ils le proposent à des mecs de 18 ans, je pense que ça doit pas être sorcé non plus, tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils vont rechercher vraiment des profils matures aussi. Ouais, bah ils vont pas le voir. Bah, on va te mettre un gamin dessus. Il y a 18 ans et 18 ouais, ans. Ouais, voilà, c'est ça. Tram, il garde jamais le même tram. Ouais, il change. Arrive au terminus. Il change à chaque fois. Ça va, c'est fluide. Hein. Ah, franchement, ça roule. Hein. Vas-y, au retour au niveau du courtier, mais sinon. Parce que là, c'est. Là, ça va. Bonjour. Ah, c'est pour ça que je préfère toujours en vacances, tu vois. Parce que. Ah, c'est rien, là. Jamais en temps normal, tu fais des. Oh. En temps normal, tu aurais fait le téléphone. Ah, en plus, ça change des fois. Ouais. Et il est quelle heure? 38. Regarde. 38, on a un départ à 8h56. Ça, c'est dans longtemps encore. Ah, ça y est, on a arrivé bientôt. Ouais, c'est bon. Là, on va aller au bout. On fait quoi? Allez, 1, 2, 3. La 4 avait, mais c'est super rapide. Mais ça y est, on a 7 minutes ouais, pour être précis. 7 minutes, c'est 7 minutes. Ah, tu vois. Tranquille. Après le port de Gennevilliers, personne. C'est ça. Personne. En plus, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Mercredi, ouais. Ouais. Tu connais mercredi. C'est pas comme un mardi. C'est ça, on va avoir un mardi. Wesh, t'as regardé l'UFC ou pas? Non, même pas. Oh là là. Méchant. Méchant. Méchant, méchant. Très méchant, Alex Pereira, très méchant, Max Holloway, très très méchant. Ça va, c'était... Il y avait des bonnes cartes. Ouais. Il y avait des très bonnes cartes. C'est qui qui a remporté le... Alex Pereira, il a gagné par KO. Par KO, bah ouais. Crochet KO. Max Holloway, il a gagné aussi. Mais il se vendait bien ou... Comment? Il se vendait bien ou pas? Ça s'est tué. Max Holloway et Justin Gaethje, ça s'est tué. Oui. À gauche. Vous descendez là? Ça marche. Elle a confondu avec 138. Ouais. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Il y a un chiffre qui change. Oups.
dans l'ADN, c'est un peu ouais, pareil, mais c'est pas pareil. C'est, ouais, voilà. La même, mais pas trop. Pas trop, voilà. Les mecs, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire on se fout. Soyons vivants, rigolons les gars. Exactement, il faut rigoler. C'est important. 138. Ah, laisse tomber, des fois, dans les commentaires, il y en a, ils sont tendus. Hein. Il y en a, ils sont tendus. Là, une fois, c'était sur la vidéo du 143. Tu sais, ouais, avec le machiniste, il parlait en gros, ils avaient créé une piste cyclable. Mais comment ça a été fait? Ça a été fait bêtement, tu vois, et c'est vrai en plus. Et dans les commentaires, un pro cycliste, il est venu, hey, il a écrit un pavé comme As. Il disait, ouais, non. Bref, il défendait sa cause. Hey, le gars, il était tendu, on dirait, on a touché sa daronne, son daron. Je sais pas, on lui a fait quoi. Il a parlé avec son cœur. Ah, ben, je connais, ça, c'est des activistes, ils sont trop en mythe. Hey, il est qu'un récit, hein, un récit. Hey, moi, j'étais là, je dis, ah, vas-y, si tu veux, tu vois. Je vais garder mon pavé. Mais c'est vrai que c'est bête parce qu'ils ont fait des pistes cyclables sur des arrêts de bus. Là, c'est, ouais, mais c'est ça. C'est en super fait, c'est bête. T'as la route, un trottoir, la piste cyclable et après le trottoir. Et l'arrêt de bus, il est dans le dernier trottoir. Ça veut dire que la personne à mobilité réduite ou quoi, elle doit passer la piste cyclable, remonter le trottoir et ensuite arriver au bus. C'est un peu de bol. Mais nous, tu l'as vu, le... nous on a ça vers Saint-Ouen, tout ça. C'est des arrêts de bus avec piste cyclable incorporée. C'est-à-dire. Tu fais ta descente voyageur, il se peut qu'il y a un vélo, il passe. Et je te mens pas, des fois il passe à fond. Ah oui. Ils s'en foutent. J'ai remarqué les cyclistes, tu sais c'est quoi? C'est qu'ils s'en foutent vraiment, t'as vu? Ils pensent que la toile est là. C'est la route à leur daron. Ouais, c'est un peu. Tu sais, ils roulent à fond, tu sais, ils sont orgueilleux. Ouais. Tu sais, ils lèvent la main, ils te parlent mal. Remets-toi à l'ordre. Non mais vraiment. T'as capté ou pas? Tu sais que c'est pas carré ce que tu fais. Pourquoi tu lèves la main? Tu fais le ouf. Mais bon. Et dis-toi, t'as vu, ça coûte cher, hein, ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'est des billets, ça. C'est juste un marquage au sol. Juste un marquage au sol, une piste et tout, c'est super cher. Parce qu'il y a des topographes qui doivent venir, faire ci, faire ça, tu vois, marquer. Et c'est des trucs. Laisse tomber la ville, l'autorisation de la ville, faut payer. Hey, c'est plein de trucs. Voilà, Terminus Saint-Gratien RER. Voilà.